Bonjour à toutes et tous. Donc là, c'est un peu spécial. Nous sommes au Festival de l'Imaginaire à Amnéville. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'on fait au niveau maquette pour du steampunk, voilà, les transformations. Donc vous avez différentes boîtes. Ce sont des serre-lifres QTB. Donc dedans, comme vous regardez un peu, vous voyez là, un peu, et pour savoir un peu, vous trouvez ça sur Internet, voilà. Ça peut être présenté avec des bouquins anciens, voilà. Vu qu'on est dans un univers un peu spécial, le steampunk. Hein. Voilà. Donc des véhicules qui ont été transformés. Il y en a plusieurs. Voilà. Nos différents. Voilà. Ah, c'est tout, comme vous voyez, c'est de l'engrenage. Après, le steampunk, ça. Si vous regardez un peu la définition, ça parle beaucoup d'engrenages. C'est pour ça que vous retrouvez beaucoup d'engrenages sur les présentations. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, on fait des présentations autres. C'est de la récupération. Donc là, c'est l'ami Franck. Il ne peut pas être là. Enfin, je lui fais un petit coucou quand même, s'il regarde la vidéo. Et donc, c'est tout de la récupération. Vous avez des lampes à pétrole, hein, comme ici. Donc celle-là, il l'a bien montée, il l'a déjà terminé, il a mis une ampoule avec. C'est magnifique. Vous récupérez aussi des anciens pulvérisateurs, hein, comme vous avez sur celle-là. Voilà. Après, on peut remonter ce qu'on veut dessus, on peut les assembler, on peut ou en assembler plusieurs et les mettre sur le dos. C'est un univers un peu spécial, le steampunk. C'est de l'imaginaire, hein, donc vous faites comme vous voulez. Donc on pense que le premier inventeur du steampunk, ce serait Jules Verne. Voilà, après c'est une présentation, comme vous voyez, vous mettez engrenage, pendule, manomètre, on fait ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a encore un petit peu ici, d'autres membres ont présenté par exemple encore ces maquettes-là. Franck nous a prêté aussi ce qu'il fabrique aussi, son pistolet, donc c'est tout à base de, ça c'est des lampes, les anciennes lampes à souder en laiton. Après vous mettez comment ça s'appelle? Pour les lampadaires, hein, c'est ce qui tenait les lampadaires dans le temps. Vous voyez, vous mettez un tube de lampe à pétrole encore. Ouais, vous pouvez faire des présentations, voilà. Alors ça, c'est les pistolets, vous leur peignez, c'est les pistolets Nerf, si vous connaissez, ouais, tout simplement. Vous voyez, on peut faire beaucoup de présentations. Maintenant, nous allons nous rendre auprès de Laurent, au BIPAM et puis de Denis. Alors eux, ils présentent à part parce qu'ils avaient besoin de plus de temps. Donc nous y allons. Donc là, je vais vous présenter un peu le stand de Laurent, que vous connaissez déjà, au BIPAM. Alors, vu que c'est un week-end sur le fantastique avec, donc il a ramené tous ses vaisseaux fantastiques. Hein. C'est un monde à part, tout ça. Donc, donc ici, vous avez le stand de Denis. Hein. Donc aussi, un univers steampunk. Mais alors là, lui, c'est avec... c'est beau. C'est, je sais pas comment dire. Voilà. Voilà, vous voyez, on peut en faire beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça qu'on parlait d'engrenage et steampunk. Donc vous voyez encore les engrenages ici. Les systèmes d'engrenage, c'est tout de l'engrenage. Hein. De toute façon, il ne faut pas rêver, le steampunk, c'est ça. Voilà. Comme vous voyez, ici, c'est un monde fantastique. Vous regardez tous ces personnages, c'est magnifique. Moi, j'adore. C'est un monde aussi qui peut se rajouter, c'est du fantastique. Voilà, c'est de l'imaginaire, c'est tout. Ça rentre dans le style steampunk aussi, voilà. Moi, je dis que c'est magnifique, ça. Regardez voir un peu les mécanismes sur celui-là. Donc, c'est du travail de l'électronique, vous voyez, comme c'est indiqué. Et après, c'est un masque. J'essaie de régler, parce que quand ça fonctionne comme ça, il y a des fois, ça chauffe. Et puis, en ce moment, il fait chaud, donc voilà. Je pense qu'on va terminer le mot de fin pour cette émission sur... l'univers du fantastique steampunk, voilà, avec ce personnage. Donc moi je vous dis au revoir à tous, à toutes et tous, et puis à bientôt pour une autre émission. Voilà, merci, au revoir.